Salut tout le monde, bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, plein de QSO, et tout, plein de propag, plein de QSO locaux aussi. D'ailleurs, à propos de QSO locaux, toute la semaine, c'est la fête du côté des 40 canaux, pour les 40 ans, des 40 canaux, des 40, pas 40 modes, des multimodes. Voilà, donc le but, lancer un maximum de QSO locaux du côté des 40 canaux pour se faire plaisir. Bah oui, si ça doit pas se faire plaisir, autant pas le faire. Mais c'est vraiment pour se faire plaisir, pour s'éclater, pour se rencontrer, et pourquoi pas, et tout. Bon, alors, côté WebSDR, de Ottawa. Ah, si. J'entendais personne sur le WebSDR de Ottawa. Normal, le volume était baissé. Alors, WebSDR à gauche, haut-parleur du poste à droite. Ces effets que ça fait. Quoi. Alors, je l'ai de deux côtés. Break frangin pour le sud-ouest France. Attention, 9, bravo Charlie, 5. Monsieur Gilles du Québec-Canada pour le sud-ouest France. Ah ben zut, c'est raté. Quoi. Salut Frangin, bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, plein de QSO, plein de rides en moto, en pick-up, dans la neige, tout maillot de bain dans la neige, la totale, et 73, 51 à toi, 212 au QRA. Oui, ah ben là, toi là, il y a que là, ça fait pas longtemps là que je t'entends là. Ça doit faire peut-être 20 minutes. Oui là, c'est tout, hein, pas plus, 20 minutes que je t'entends, c'est tout, hein. Et du coup, ben, j'étais passé au bricolage, à chi trois coups, et je suis en vacances, yes. Alors là, j'ai une semaine de vacances, mais vu que les vacances c'est quand même assez fatigant, après j'ai plusieurs jours de repos.
CHL, CFL. La fréquence, les ventes sont appréciées aujourd'hui, Julie. Oh, ce... Attends, j'ai pas compris. J'ai pas eu Roger. Oui, c'est compliqué aujourd'hui, la fréquence. Les ondes sont un peu voyageantes. Ça dure pas, la CFL. Ah oui, 100% QSL, parce que tu vois, là, mis à part la station là, de Nougaro, eh bien, sur le web SDR, si j'ai entendu, je crois que c'était une station en américain, je sais pas, là, juste avant, là, qui avait pris le micro, mais autrement, j'entends pas grand monde hein, de ton côté en fréquence. Même moi, j'ai du mal à m'entendre dedans, quoi, c'est pour dire. Ouais, 100% QSL, toi, ça va entre 53 et 55. Enfin, plutôt 43, 55, 57, pardon. C'est, moi, ça navigue. Ah si, j'arrive à m'entendre un tout petit peu, là, dans le web SDR d'Ottawa. Mais c'est vraiment, vraiment très, très QRP, hein. Alors, tout à l'heure, quand je t'ai envoyé un message, là, sur Messenger, là, ça passait un petit peu mieux, là. J'arrivais un peu mieux à m'entendre. Et là, si ça commence à monter un petit peu là. Oui, enfin c'est très très léger, ouais. C'est, t'as on a entendu. Oui, c'est très léger, effectivement. Mais tu vois, hier, j'ai entendu une couple de stations là, qui est passée un peu ici et là sur les fréquences supérieures. Puis rien du tout. Rien du tout, c'était toujours qu'il y avait rien du tout ici. Sur le Altamac 625, après le dîner, j'ai eu aussi la Louisiane. Louisiane, c'est un anglophone, là, que je contacte pas mal à tous les jours. Tu es là, Louis? Ah, c'est bon, ça! Ah oui, tu m'en avais parlé! Oui, 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 affirmatif! Et faire quelqu'un une station francophone en Louisiane, alors là, chapeau! Hein. Et en plus, la Louisiane, eh bien, c'est un ancien, il y a très très longtemps de ça, c'est un ancien territoire français en plus! Là, c'est les stations de la Louisiane qui embarquent sur la fréquence en Alpha Mike. On continue des CSO, mais je n'ai pas pensé de faire des vidéos, mais je vais faire des vidéos la prochaine fois là, que vont passer en fréquence. Mais c'est un peu difficile parce qu'après que la propagation est terminée ici, c'est dans quelle liste de choses à faire qui est terminée. Oui, QSL, ben justement, tu vois, là, tout ce que j'avais à faire, ça a été fait ce matin, et là encore, là, tout à l'heure. Tiens, pour la petite anecdote, là, tout à l'heure, quand j'ai vu que, bon, qu'apparemment, t'étais pas dans le coin, t'étais occupé, que du coup, bon, c'était pas vraiment ça au niveau propag, eh bien, comme je disais, j'étais passé au bricolage, et là, c'est le lavabo, le jointage du lavabo de la salle de bain, là, que j'ai refait, là. Allez, on le décolle, on refait un joint de silicone et on le repose. Oui, qui a fait le toit, ma tête. C'est hier, parce qu'on a reçu, nous, hier, on recevait de la famille et des amis pour la journée, le souper, et puis le réveiller, ben pas le réveillon, mais pour la soirée aussi. Puis j'ai pris un petit café spécial, là, ça j'ai vu. Tournait dans le lit. Tu m'étonnes. 100% QSL. Ah, chie trois coups. Hey, tu veux faire encore le gen à ton âge? Même si t'es plus jeune que nous, mais t'es rendu à un âge où un café le soir, ça passe plus. Quoi. On dort plus après. Quoi. Oh là là, oui.
Oui, ben je me souviens, moi étant plus jeune, à 20 et quelques années, je pouvais boire un café le soir. Ah non, c'est moi que j'entends dans le web SDR. Comme quoi, toi, là, apparemment, ça montait un petit peu. Il y a 30 ans de ça, 30, 35 ans de ça, je pouvais prendre un café le soir, aller me coucher après, ça me dérangeait pas du tout. Là, c'est en train de monter, là, la propague. Et là, là, dans la cinquantaine, comme ça, parce que bon, j'en ai 58, et c'est vrai que je prends un café le soir, mais c'est mort de la nuit. Je n'arrive plus à dormir. Et pour le coup, le soir, comme ça, je prends plutôt un cappuccino. Voilà, je suis en train de m'écouter en même temps. Hachi ! Et donc, c'est quand même plus léger. Et la nuit au boulot, eh bien, tu vois, là, je vois, en ce moment, le matin, je débauche à 7 heures. Eh bien, je vais me calculer 4 heures avant pour prendre le dernier cappuccino, pour être sûr de pouvoir dormir après en rentrant. Oui, GSL. Je ne sais pas si vous avez sur la 14, l'espresso. Neuf presso? Ah, l'espresso! Oui, je n'ai pas compris. Désolé. Des expressos, oui, mais j'en prends pas. C'est trop fort. C'est le matin, le midi, ok, pourquoi pas, mais le soir, non, c'est trop fort pour le coup. C'est sûr que moi non plus, je dormirai pas, quoi. Ah, tu m'étonnes. Déjà, j'ai l'impression que tu dors pas beaucoup, toi. Puisque là, vu comment je te vois là sur Internet, je me suis dit, attends, il y a des coups pour toi, je veux dire, minuit ou 2 heures du matin, je te vois encore actif. Et à 7 heures, ou peut-être même avant, je te vois encore. Mais si là, à un moment donné, il faut penser à dormir un peu quand même. Hein. Une fois par semaine. Tu dors une nuit par semaine? Ouais, Marc-Arène, t'as raison. Là, je suis en train de manger un chocolat. que Fabienne m'a apporté. Elle t'envoie le bonjour, la bonne année et tout, au fait. La voix des ondes. Voilà. Ah oui, Marc, t'as raison. Hein. Dormir, c'est une perte de temps. Oui, j'espère qu'elle va bien, la voix des ondes. Oh oui, elle est en train de se servir un thé. Hein. Voilà, elle m'a apporté un cappuccino, un chocolat, et là, elle vient de se servir un thé. Tu veux dire bonjour au micro? Bon, elle fait ça timide, là. Elle chie trois coups. Oui, quand j'ai ouvert tout, c'est fait, là, puis j'ai envoyé un message, puis j'étais en train de mal. J'ai pas pris le micro de beaucoup de stations qui se sont manifestées et tout, mais j'étais en train de prendre un petit déjeuner avec le café. Alors, j'ai pas voulu prendre le microphone avec les vidéos et tout, la bouffe. Le fait que j'ai pas pris le microphone, mais ils m'ont dit qu'il y avait du monde sur la fréquence. Ouais, ok, oui. Ah ben, voilà, tout à l'heure. Alors, au début, j'étais du côté là du canal 19. Bah, par rapport, c'est comme tu as vu l'annonce en France. Là, toute la semaine, ça va être, c'est la fête des 40 ans de l'homologation des 40 canaux multimodes. Ah,
Voilà, donc la norme, l'homologation est arrivée au 1er janvier 1983, et donc là cette année 2023, tac, là c'est ça va être la fête là durant toute la semaine du côté des 40 canaux. Donc à chacun de s'organiser de son côté pour que ce soit la fête, hein, bien entendu, hein. C'est, je dis ça parce qu'il y en a qui attendent toujours après les autres pour faire les choses. Hachi! Non, c'est à chacun de se prendre en main, bien entendu, pour que ça soit la fête. Voilà. Et donc là, c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais du côté du canal 19. Mais bon, de mon côté, dans les environs, c'est surtout aller dans la blagounette des pros décamétriques qui ont assez peur de mettre leur poste en panne s'ils descendaient en AM. Hachi3Koum! Donc du coup, c'est resté un petit peu silencieux pour ma part. Là, pour avoir du monde en AM, il faudrait que je prenne la voiture, que j'aille du côté de Bordeaux, quoi. Mais bon, Bordeaux, c'est à 50 km du QRA. Toi, je crois que tu es à 30 km de... Ah bah ça y est, j'ai oublié le nom, la grande ville qui est à côté de chez toi. Ah bah ça y est, j'ai un trou de mémoire. Hachi! Voilà, Montréal, c'est ça, t'es à 30 km à l'ouest de Montréal, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça, ouais. C'est bien ce que j'avais vu, ouais. Alors je ne saurais pas te dire, puisque là, vu tout à l'heure, j'étais pris à droite à gauche, j'avais la station en musique de fond, on va dire. Et ah, ça a rebaissé la propague, je m'entends moins fort là du coup. Et du coup, je ne saurais pas te dire là avec qui tu parlais, quoi. Oh, ça passe plus. Ah si. Oui, mais bon, j'arrive à m'entendre encore un petit peu là. C'est vraiment très très QRP là. Là, dans le web SDR d'Ottawa. Mais c'est vraiment tout fin, tout minime minime. Ouais, ok, ouais. Il m'a semblé entendre tout à l'heure que. Ah non, non, c'est pas de la flotte que t'as en ce moment, il pleut pas chez toi là? Toi, chez nous là, si, hein, il s'est mis à pleuvoir. Bon, c'est de la petite pluie fine et 13 degrés là ici. Oui, enfin, t'as quelle météo chez toi? Ouais, c'est bien ça. Tu as quelle météo chez toi? Oh, ça fait du c'est moi la température. Affirmatif. Oui, tout est gris, le sur le un petit peu plus près là, que les 2 jours précédents. Là. On a eu 2 jours de la pluie, de la pluie, de la pluie. Abondamment, il y a presque plus de neige. Ouais, et ça fait pas des inondations, ça, chez toi, justement, avec toute cette neige-là qu'ils font? Oui, c'est très, très facile pour les inondations et tout, là. Si ça refroidit, on va être correct, là, ça va aller tout plus. Mais au printemps, là, ça risque de faire trop, là, c'est ça. Ah oui, bah tu m'étonnes, c'est sûr, oui, QSL. Là, c'est sûr, ouais. Puis là, c'est vrai qu'avec toute la neige qui est tombée, hein, c'est sûr que là, il va forcément y avoir des inondations dans certains coins. Hein. C'est peut-être pas trop là où tu es, je sais pas. Mais bon, il y a des endroits, c'est sûr que là, ça va inonder. Hein. Oui, c'est ça, ça fait des eaux, 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 des eaux,
pas faire, là. Ils ont vu certains endroits, là, que l'eau frappe, là, ils disent, les gens sont obligés de sortir de leur maison, là, et de quitter jusqu'à temps que l'eau de reprenne. Oui, attends, je crois entendre quelqu'un là dans le web SDR. Je crois qu'il y a quelqu'un qui appelle de ton côté. Oui, affirmatif. Alors, je t'entends via le web SDR de Ottawa. Les 73-51, bonne année, meilleurs vœux, et tout, plein de QSO. Alors, en direct, non, je t'entends pas. Sur le web SDR d'Ottawa, affirmatif. Ok, merci, tout ça retourné. Ah, tu m'entends en direct? Alors, en direct, non, j'ai rien qui passe là, chez moi. Ouh, la propague est en train de monter là. Oui, la propague est en train de monter. Alors en direct, non, ça ne passe pas. Par contre, sur le web SDR qui se trouve sur Ottawa, là, oui, je t'entends, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, de mon côté, je suis obligé de baisser le volume du web SDR d'Ottawa. Alors attends, j'essaie de faire ça. Voilà. Parce que ça commence à faire cacophonie avec le retour de ma voix que j'ai dedans. Ah, ça retombait aussitôt. Zut, on dirait que c'est retombé. Hein. Ah ben non. Non, non, j'ai cru que la propague était retombée, mais non, non, vu comment je passe dans le web SDR d'Ottawa, c'est... Non, non, ça tient bon. Alors, je suis en train de faire une vidéo de toute façon. Alors, dans la vidéo, comme la précédente, il y aura aussi le retour là, de Ottawa là, dans la vidéo. Et je bafouille. Donc, il suffira de réécouter là, pour avoir l'indicatif. Mais en direct, hein, je ne l'entendais pas du tout. Hein. C'est grâce au WebSDR d'Ottawa que je l'ai entendu. Hein. Oui, j'ai vu ça dans la dernière vidéo, justement, j'ai rigolé. Là. Parce que j'ai justement quand j'ai reconnu le web SDR allumé. Et du coup, tu vois, le truc qui est super, c'est que, allez, dans la blagounette, dans la déconnade, quand tu as le micro en main. Au moins, tu peux écouter sur le web SDR d'Ottawa si quelqu'un raconte des conneries sur toi, quoi. Achis trois coups. Oui, c'est bon. Attends, j'étais en train de boire mon cappuccino. Voilà, ça y est. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il est bien pratique. Hein. Et de mon côté, il y en a un, bon, il est à quoi? Il doit être à 40 km d'ici. Je crois que c'est ça, ouais. C'est-à-dire le web SDR de Bordeaux, là, enfin, qui est à côté de Bordeaux, où je t'ai donné le lien aussi. Hein. Et je vais pas mettre les deux là, sur l'ordinateur en même temps, ça va faire cacophonie. Là. Oui, c'est
foutu le bordel. Oui, deux WebSDR en marche, plus la station, je te dis pas là pour le coup, je sais plus où j'habite. Au fait, à propos de bruit, tu as des nouvelles de ton copain là pour je sais plus qui, pour qui te commande de un filtre DSP. Ok, QSL. Oui, je te demandais, est-ce que tu as des nouvelles pour le filtre DSP? Tu m'as dit que tu voulais en parler, que tu allais en parler à quelqu'un là pour qui te le commande, je sais plus. Oh, ça passe petit là. Est-ce que tu as des nouvelles? Tu sais où c'en est? Est-ce qu'il l'a commandé? Ah oui, et tu vois, là, à la seconde même, je regrette de ne pas avoir aussi un autre filtre DSP là pour le haut-parleur qui est branché là sur l'ordinateur, là sur le WebSDR. Parce que là, pour le coup, je me prends du souffle dans les oreilles costauds du WebSDR d'Ottawa, alors que c'est bien filtré du côté poste. Bon alors, est-ce qu'il y a d'autres stations en fréquence? Attends, j'entends 14, j'ai pas compris, il y a une station du 14 là qui est en train de lancer appel. Gilles, vas-y pour voir si tu l'entends mieux. Ah, c'est trop QRP. Au fait, en espérant que tu m'entendes bien, as-tu eu l'occasion de regarder sur la précédente vidéo à partir de la 55e minute pour voir si t'as trouvé ce que je m'étais amusé à faire sur ta vidéo? Oh, je suis en train de te perdre aussi là. Là, tu m'arrives plus qu'à un signal de 1. Je crois que là, on est en train de toucher à la fin du QSO. Bon, ok. Je crois que là, le QSO vient de se terminer. Ouais, mais je m'entends très très QRP là dans le web SDR d'Ottawa. Là au moins je sais là où c'en est. Non, ben, Gilles, si tu arrives encore à me sortir malgré tout, eh bien je vais t'envoyer les bonnes 73-51. Merci pour ce QSO. Tous les meilleurs vœux, bonne année, bonne santé, et tout. Bonne balade en moto à venir au printemps. Tout. Ah, j'entends quelqu'un appeler. Tout ça envoyé et ben, peut-être à demain. Demain ça devrait le faire, oui. Ouais, tu passes encore, mais là, je commence à avoir du mal. Je comprends quelques mots, là, c'est tout. Là, ça devient compliqué, ouais. Allez, les bonnes 73-51, Gilles, 212 au QIRA. Et puis, bon, on verra demain ce que ça donne.
C'est demain matin pour moi, demain matin pour moi en France, à Chy. Je serai pris de toute façon, Marc, toi tu seras en train de dormir. Alors comme ça, le problème est réglé. Et après, ben, l'après-midi pour moi, ben, ça devrait être bon. Là, la seconde même, je vois pas ce que je pourrais avoir à faire d'autre. Bon, on verra bien. Hein. Si Dame Propag veut bien, eh bien ok, on sera à nouveau en fréquence. Les 73-51 retournés, Gilles, et merci. Là, pour le coup. Oui, QSL, les 73-51, et à demain. Je crois que c'est André. Ouh, je suis en train de le perdre aussi. Ah, ça remonte. J'ai pas compris. Non, là, t'entends pas. Gatineau passe pas. Bon. Alors, bon, là c'est moyen. Bon, là évidemment, ça passe. Attention les stations fréquences pour 14 Kilomac 33 01 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France pour le groupe Kilomac. Puisque je suis sur cette fréquence, les Kilomac qui regarderont cette vidéo, regardez, il y a des news. Il y a des news là depuis. Il y a des news. Voilà, je vous en dis pas plus. À vous de trouver. Attention, les stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Waouh, ça passe. Attention, les stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel pour les 40 ans des 40 canaux multimodes. Hop, j'ai entendu quelque chose. Hein. Bon, je crois que j'ai remonté sur la fréquence de Gilles.
17h25. Il s'est décalé en fréquence là, Gilles. Oh, my God.
perdu. Ah si, il est là. Ah, là on l'a des deux côtés. Ah oui, là c'est vraiment QRP là. On le devine derrière. Alors cette astuce, elle est en train de donner des idées à pas mal de monde. Déjà, commencer par Gilles. Bon, j'imagine que d'autres le font déjà depuis un moment. Alors, il est 5h30 ici, enfin 17h30 ici. Donc 11h30 chez lui. Ah, Dandy 33 de retour, ça fait le yo-yo, ça fait le yo-yo. Oui, Rémi de retour, ça fait le yo-yo, hein. Ça fait très QRP, c'est très QRP là, et ça fait le yo-yo. Ah ben oui, tu m'étonnes que là, il y a intérêt à en prendre des vitamines. Bon, je suis redescendu là, faire un petit tour sur le 19, là, pour le coup, là, relancer des appels, ceci, cela, mais je crois que c'est les Américains, là, qui ont pris la place, là, pour le coup, là, ici, là, en France. Je pense que c'est eux que j'ai dû reconnaître, là, derrière, donc, mais tant pis. Oui, effectivement, tu t'es un petit peu décalé, hein. C'est affirmatif, hein. Je t'entends pas pareil que tout à l'heure. Alors j'ai mis un petit peu de clarifieur de mon côté, mais là c'est j'ai l'impression qu'il va falloir que je recommence. Ah zut, il y a eu de la surmodulation, désolé. Il faut que tu remontes un peu. Et monter, c'est l'inverse de descendre. Descendre, c'est vers le bas, monter, c'est vers le haut. Là, t'es descendu encore plus. Non mais là t'es carrément t'as descendu encore plus. Non, tu m'entends mal. J'ai dit que là, plus ça va, plus tu descends en fréquence. Il faut que tu ailles de l'autre côté.
Voilà, t'es trop remonté, hein. Oh là là, c'est difficile, c'est difficile. Allez, redescends encore un peu. Ok, 1, 2, 3, hello. Oui. Allez, vas-y encore un peu. Allez, descends encore un petit peu. Oh, je pense que là, si tu descends encore un petit peu, pour le coup, ça risque de foutre le camp. On va garder comme ça. Bon, ça te fait une voix un petit peu féminine, mais là, on arrive à te reconnaître quand même. C'est un peu passé, hein. Moi j'ai pas les 0 ici, c'est 27.25, mais j'ai pas les 2 0 qui étaient. Oui, ça a bougé un petit peu là. Là, c'est descendu un petit peu trop bas là. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, hey, on a tous un clarifieur sur son poste. Hein. Il suffit de l'utiliser et puis voilà. Hein. Voilà, ce serait pas mal. Là, je serais toi, je toucherai plus à rien. Là, c'est bon, t'es pas pile à 100% sur la fréquence, mais bon, c'est tellement minime que ça vaut pas le coup de corriger. C'est compliqué là, à comprendre. Tiens, puisque tu... Ok, reçu. Ok, QSL, puisque tu parles du parc national de Oka, est-ce que l'hiver, le lac qu'il y a, tout ça, enfin le lac, je sais plus comment c'est, est-ce que l'eau, l'hiver, est complètement gelée au point de pouvoir marcher dessus et tout ça, ou ça reste quand même bien liquide? Ou ça reste de l'eau? Ça devient de l'eau ou de la glace, là, en ce moment? Alors là, j'ai perdu, là. Mais putain, ils vont venir te chatouiller les pieds. Ah, j'ai énormément de mal à te comprendre, là, Gilles. C'est vraiment là, ça fait le yo-yo, ça fait le yo-yo en bas. Ça fait pas le yo-yo en haut, mais ça fait le yo-yo en bas. Du coup, là, j'ai énormément de mal à te comprendre. Bon, pour ma part, je vais pas te faire répéter 50 000 fois. Ah, j'ai entendu un truc, là, dans le web SDR. Bon, je vais pas te faire répéter 50 000 fois, Gilles, hein, c'est pas la peine. On verra ça demain. Là, ce coup-ci, là, je coupe, là, de mon côté, les 73, re 73 51, et à demain pour notre QSO journalier. Hachis trois coups. Au plaisir de la femme qui est sur mon ami, ça fait toujours plaisir
Oh oui! En plus, oui, chez toi, il est midi moins 20. Donc, va bientôt falloir penser au casse-croûte. Va falloir bientôt penser à aller déjeuner. Donc, bon appétit pour tout à l'heure, les 73-51. Et puis, on verra bien demain si ça passe. Tant mieux. Et à plus. Bon QSO de ton côté. Coupure de WebEZR. Quand même. Bon, attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'en s'appelle depuis le département de la Gironde. Attention Daniel Centaure pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention Barracuda 56, attention Nounours, attention Draker pour Dundee 33 qui vous appelle. C'est bien les Américains. Alors là, c'est le canal 20, le canal 6 là. Bon ben là pour du local, je suis mal placé. Là. Dommage. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Pas dit mot dernier mot. Attention les stations en fréquence pour Dundee 33 qui l'en s'appelle depuis le département de la Gironde du côté de Castillon-la-Bataille Saint-Émilion. Désolé, mais si c'est à moi qui réponds, j'ai rien compris. Moi, Yona speak French.
Attention les stations fréquences pour Dundee 33, 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. Ah, j'ai fait la totale. Bon, dommage, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais rendez-vous pris, en tout cas, pour demain ici. Eh bien, là, je crois que